Konnichiwa, namaste, karakori, GG Monnier. Fabrice Ossui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, on va vous parler du syndrome de l'objet brillant. Et attention, l'objet brillant est plein de choses, plein de manières de faire de la thune aujourd'hui. Il faut savoir juste choisir un et rester focusé. Alors, je vais vous donner les différentes pistes et vous allez pouvoir choisir une destination et réussir avant sur la destination. Ensuite, pouvoir faire autre activité, ne pas courir 50 lièvres à la fois. Alors, imaginons que vous avez une passion, vous allez pouvoir faire de l'infoprenariat comme je suis en train de faire. Je suis en train de vous informer tout simplement sur les possibilités de gagner de l'argent, les possibilités de l'objet brillant. Comment gagner de l'argent avec l'infoprenariat? Effectivement, vous pouvez avoir juste une connexion internet, vous pouvez juste avoir là une connexion internet et là, internet c'est tout simplement sur votre iPhone, sur votre téléphone, et votre téléphone se trouve dans la poche de vos futurs clients tout simplement. Vous allez pouvoir connecter et avec l'infoprenariat, vous avez juste besoin d'une connexion d'internet et vous pouvez être sur les plus belles plages du monde ici. J'étais en train de vous parler de l'objet, du syndrome de l'objet brillant. Ouais, effectivement, ne cherchez pas à courir un peu dans tous les sens, un peu partout, puisque tout simplement vous allez vous épuiser. Je vais juste vous donner là après une petite expérience. On a changé de décor, oui, on a commencé la vidéo ce matin. On avait un problème de batterie, donc on a terminé. On va terminer là cet après-midi. Donc l'objet brillant, ouais, effectivement, si vous suivez sur le net, il y a beaucoup de choses. Vous avez gagné de l'argent rapidement à la vitesse de l'éclair. sur le trading, oui, il faut faire très attention, le trading. Gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, oui, l'objet brillant de la crypto-monnaie. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. J'ai vu des très grands traders dire que non, jamais ils vont investir sur les crypto-monnaies, et maintenant ils sont en train de parler de crypto-monnaies. Ça, les imbéciles ne changent pas d'avis. Ça veut dire le monde change rapidement, et il faut savoir s'adapter en fait dans ce que vous faites. Il y a aussi la bourse, il y a aussi l'immobilier, il y a aussi le e-commerce. À un certain moment, ouais, c'était le buzz sur le e-commerce. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, et à chaque fois, si vous n'êtes pas expert, si vous n'êtes pas focusé sur un domaine bien précis, mais choisissez bien un domaine dans lequel ça vous plaît, dans lequel vous voulez faire votre business tout simplement, sans chercher à courir derrière l'argent. Pourquoi? L'argent viendra tout simplement. Il faut aimer l'argent, certes, oui. Il faut aimer, joindre l'utile à l'agréable. Il faut d'abord chercher à mon sens, hein, je vous donne mon point de vue, il faut chercher toujours des nouvelles choses à faire, mais il faut que vous ayez là un tronc. C'est comme un arbre, vous avez le tronc et vous avez les branches qui vont aller à droite et à gauche. Les branches vont se renforcer par la suite, mais vous avez besoin d'avoir effectivement une source qui coule, qui a suffisamment de revenus et qui est sur le net ou bien qui est en présentiel. Mais sans votre présence, tout simplement, le business pourra fonctionner. Donc c'est ça, avoir la clé, faire attention à l'objet brillant. Ne pas chercher à courir derrière toute la crypto-monnaie, le e-commerce, la bourse, le coaching, le consulting, le web marketing, chercher à devenir tout ce qui est possible et imaginable. Non, ne cherchez pas à faire ça, parce que quand vous allez courir à plusieurs lièvres à la fois, que va-t-il se passer? Vous allez vous retrouver à un certain moment avec rien, parce que votre énergie sera tout simplement
dilué. Et si vous êtes dilué, eh ben vous êtes, vous n'avez pas le focus, vous n'avez pas la concentration qu'il faudra pour faire décoller le business. Faites décoller déjà un business, ensuite vous allez pouvoir après changer de cap, et une fois que un business est consolidé, vous allez pouvoir mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. Je prends l'exemple ici de l'infoprenariat, et ben c'est facile de pouvoir investir dans l'infoprenariat parce que c'est votre savoir-faire. Vous allez pouvoir informer les gens et être payé par rapport à aux informations. Donc ça prendra un peu de temps pour devenir expert. Vous pouvez prendre 3 mois pour devenir expert, parce que si vous passez 10 000 heures tout simplement pour pouvoir être focusé là aujourd'hui sur un domaine bien précis, vous pouvez prendre des livres, vous pouvez prendre des séminaires, vous pouvez prendre des formations, vous pouvez vous documenter, vous pouvez prendre des livres audio, vous écoutez très très vite et vous devenez un expert dans un domaine bien bien précis. Donc voilà, ça va vite aujourd'hui avec Internet, ça va aller d'une vitesse vraiment phénoménale. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en recherche de contenu. Les médias, comment ils fonctionnent, ils sont en recherche de contenu également. Donc une fois que vous avez consolidé par exemple l'infoprenariat, vous allez pouvoir gagner de l'argent et investir dans l'immobilier. Effectivement, vous allez pouvoir être fort dans l'immobilier, vous allez pouvoir investir dans les produits numériques, par exemple faire un e-book, faire des formations pour pouvoir vendre, et vendre un produit très cher. Parce que ne cherchez pas à vendre un produit à 7 euros, ne cherchez pas à vendre un produit à 1 euro, parce que vous allez être vraiment, vraiment noyé dans la masse. C'est une stratégie vraiment qui est difficile, qui est difficile. Même si on se dit, bah ouais, effectivement, sur Internet, nous avons des millions de personnes qui sont connectées, ne cherchez pas à toucher des millions de personnes. Cherchez tout simplement à toucher des dizaines et des centaines de clients, tout simplement. C'est mon avis, c'est mon ressenti, mon expérience aujourd'hui que je vous donne. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, si je vous dis, bon, allez, comment gagner 10 000 euros? Vous allez pouvoir, si vous faites un produit, par exemple, à 7 euros, ben, il faudra faire 10 000. Il faudra faire 1500 personnes. Vendre 1500 fois le produit pour faire 10 000 euros. Maintenant, si vous avez un produit à 1000 euros, il suffit d'en vendre 10 pour faire 10 000 euros. Si vous avez un produit à 2 000 euros, il suffit d'en vendre 5 pour faire les 10 000 euros. Donc voilà, maintenant si vous voulez faire 5 000 euros, il suffit d'en vendre 5 pour faire 5 000 euros. Et par mois, vous allez pouvoir trouver 5 personnes qui achètent vos produits si vous savez comment faire et si vous savez comment mettre le processus, le back-end en place pour que les gens vont trouver le front-end et vont trouver le back-end par la suite. Comme ce matin, j'étais en train de faire des vidéos en même temps sur Facebook, YouTube et Instagram pour les 3 canaux pour que j'optimise mon travail. Je fais le travail une fois et ça sera distribué sur 3 canaux tout simplement. Le travail, il est fait une fois et les vidéos seront vues 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, peu importe, les vidéos vont travailler pour moi. C'est cette méthode de travailler et de scaler en fait, de passer au niveau vraiment scaler, passer à grande échelle, passer à grande vitesse, tout simplement. Voilà le mode scale, et pour ça je vais faire une autre vidéo pour pouvoir vous parler du scale, tout simplement. Donc voilà, ne cherchez pas à courir dans tous les sens, prenez un secteur bien précis et restez focusé, concentrez-vous jusqu'à ce que ça va décoller, et quand ça décolle, vous allez pouvoir passer au-delà. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un énorme pouce, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo, est-ce que ça vous a plu? Là vous voyez, je suis sur le décor là dans le studio décor développement durable, parce qu'on est en train de travailler aussi sur le développement durable. C'est quelque chose qui me plaît, c'est un deuxième business que je suis en train de développer effectivement. Mais voilà, j'en profite pour changer de décor. Ce matin j'étais sur un décor avec les dauphins, avec Mayotte. Effectivement, le développement durable avec les panneaux solaires, c'est un projet que je vais pouvoir le faire à l'île de la Réunion et aussi à Mayotte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil chez nous. Donc on va exploiter ça. Ce sont des projets à plus de 100 millions. À plus de 100 millions. Et ouais, effectivement, j'ai passé là avec sur un salon du numérique. Il y a un employé, un ancien ingénieur de chez Google avec lequel on a échangé. Et on a pu avoir 2 projets, un projet à 100 millions et un projet à 200 millions. Donc le projet là sur les photovoltaïques et les projets sur les véhicules électriques qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille. Mais il faut se concentrer là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on rencontre des belles personnes. On peut avoir des très, très gros projets
Les 100 millions, on ne va pas le faire en une fois. On va faire projet après projet et on va aller les chercher tout simplement parce que le potentiel est juste énorme, missime. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est cette vidéo. Alors, si toi aussi, tu as des projets, tu veux entreprendre et tu veux avoir de la vision, tu veux te faire coacher, eh bien, laisse-moi ici, là, dans les commentaires, ici. Je te laisse un lien sur le calendrier. Prends rendez-vous avec moi demain ou après-demain. Dans l'après-midi, je vais pouvoir t'accorder 30 minutes et on va pouvoir discuter pour voir si je peux vraiment t'aider à pouvoir faire décoller ton business, toi aussi, à ton tour, pour devenir libre. Mon ami, voilà, c'était Fabrice Ochuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Je te dis ciao, ciao, à bientôt. Et partage cette vidéo, je compte sur toi.